fait 6 ans qu'on organise les poterelles. Alors les engagements, bien sûr écologiques, hein, puisqu'on a une course qui s'appelle Eco-Trail. Alors dans l'écologie, plein de choses, que ce soit sur les transports, sur le traitement des déchets, sur l'état d'esprit des coureurs. La première année, on a monté ça très rapidement, en 3 mois, et on avait quelques milliers de participants. Maintenant, on est à presque 10 000. On a les médias. Donc par les médias, on peut permettre de parler justement de différentes causes. Et puis on a de nombreux participants et eux-mêmes en parlent. Et c'est du bouche à oreille. Et donc c'est important. Donc il y a bien sûr des moyens financiers qui sont retirés de ce qu'on peut faire, mais aussi toute une compréhension de ces différentes causes. C'est une double motivation de courir pour comme ça, une cause écologique ou associative. Ça donne le courage de se lever le matin tôt, d'aller courir dans la boue et de faire donner le meilleur de soi-même. Tous les moyens sont bons pour promouvoir l'écologie, le sport en est un, il y en a plein d'autres. Mais par rapport à plein de courses, pour revenir à l'éco-trail, j'ai trouvé qu'il y avait moins de papier par terre, de déchets. Les gens sont relativement quand même attentionnés et attentifs à ce type de gestes. L'environnement, c'est une cause qui me touche énormément. Ça ajoute quelque chose en plus au fait de courir. C'est sûr que je cours avant tout pour le plaisir, mais si ça peut aussi servir une cause, je trouve que c'est un très bon moyen. Partenaire de l'EcoTrail, à savoir que l'EcoTrail nous reverse 2 euros par inscription pour 2 courses qui sont les randonnées et la course nordique. L'association, ce sont des clowns professionnels, intermittents du spectacle. À la base, ils sont tous intermittents. Ensuite, ils ont une formation spécifique pour aller dans les hôpitaux, dans les services pédiatriques auprès des enfants malades. La responsable développement durable de l'EcoTrail est venue nous trouver pour nous demander si nous souhaitions faire partie de la brigade des éco-acteurs. Donc justement pour faire de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement. En fait, ça nous permet aussi d'être en contact avec les gens, de pouvoir parler de la fondation directement, de pas simplement être derrière des images, un site internet et des livres. Alors, on a mis en place en fait un quiz des sports environnement et on a vu que beaucoup de gens étaient quand même très au fait des problématiques environnementales liées au sport, donc c'est bien. Ce qu'on a choisi de faire via l'EcoTrail, c'est de mettre notamment un projet en valeur. Donc c'est un programme de construction d'écoles bioclimatiques dans les pays du Sud et justement on invite les coureurs à nous aider à soutenir ces projets en nous aidant à les financer. L'EcoTrail fait surtout apparaître un besoin de nature, d'écologie, bien sûr. Hein, protection du patrimoine fait partie des choses importantes puisque nous traversons quand même le parc national de Saint-Cloud, nous partons du château de Versailles, nous allons à Meudon et on arrive à la tour Eiffel dans Paris. Donc nous sommes très attachés au patrimoine francilien, on va dire. Rendez-vous sur EcoPlus TV.